Salut à tous, c'est Léo. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 16 de Le Carrière de Manager avec Lyon. Au programme de la vidéo, les demi-finales retour contre le PSG. On avait perdu 1-0 au match aller et donc il va falloir s'imposer pour espérer se qualifier. On a la finale de Coupe de France contre Bordeaux, un très gros match nous attend et il va falloir essayer de remporter cette coupe. Et pour finir, un match contre Ajaccio et c'est parti pour le premier match. Show me all the places I've never known. And we'll chase the night. Race all of these broken dreams in flight. And we'll fly. And we'll fly. Fin du match, défaite 2 à 0 contre Paris. On avait bien commencé le match, mais Paris a réussi à marquer un but après avoir eu deux pénaltys. Et ça nous a totalement achevé. Après, on n'a plus réussi à jouer. Paris donc se qualifie pour la finale de Ligue des Champions. On est tout de même arrivé en demi-finale. On a fait un excellent parcours. On a éliminé Arsenal et la Juve. Donc, on peut être fier de nous. Et on sera sorti la tête haute de cette compétition. Il faut maintenant se concentrer sur le match de Coupe de France, la finale contre Bordeaux. Et cette fois-ci, il va falloir remporter cette coupe. C'est parti pour le match.
Fin du match, défaite contre Bordeaux en finale de Coupe de France. La défaite est méritée, Bordeaux qui a dominé le match. 12 tirs, 10 cadrés pour eux, 7 tirs, 4 cadrés pour nous. Doublé de Clément Chantôme. On est allé en prolongation et malheureusement on a perdu sur un fait de jeu, à mon avis la faute, il n'y avait rien du tout. Et après ils ont fait une longue balle qui est reprise de la tête et qui rentre. Victoire donc méritée de Bordeaux en finale de Coupe de France. Et on ne soulèvera donc pas cette coupe. Il faut maintenant se concentrer sur le championnat qui est notre seul espoir d'enrichir le palmarès cette saison. Et il faudra donc prendre les 3 points face à Ajaccio. On voit que l'équipe 2 est mise en place car les joueurs étaient fatigués après un calendrier très lourd. C'est parti pour le match. Et le match qui va commencer dès la 10e minute de jeu avec le Brésilien Gabriel qui part au but. Il crochet dans la surface de réparation et place une frappe du pointu qui rentre. 1-0 pour nous à la 12e minute de jeu. 9e but toute compétition confondue pour Gabriel. Mais Ajaccio n'a pas dit son dernier mot. Au quart d'heure de jeu, belle frappe et magnifique arrêt de notre jeune gardien Nardi qui est prêté par Monaco. Ajaccio qui va pousser et qui va réussir à égaliser dès la 17e minute de jeu. Un but somptueux avec une très belle construction conclue par Dia en lucarne. Un tir inarrêtable. Et on va se faire dominer à la demi-heure de jeu. On voit qu'ils vont nouveau avoir une occasion avec cette tête. Au retour des vestiaires, c'est pareil. Un coup franc contré qui arrive juste au-dessus du but. Et à la 81e minute, ils ont l'occasion de prendre l'avantage. Mais bel arrêt de Nardi. On va tenter de prendre les 3 points avec Fekir. À la 88e minute de jeu, on cherche une solution. On trouve Malbranck qui sert parfaitement corner. Le gardien sort, mais son tir est arrêté. Fin du match, un partout. On s'en tire très bien avec un point car on a été largement dominé par le Gazélec. Fin de la vidéo, on a rejoué 3 matchs, un nul, un partout contre le Gazélec d'Ajaccio. Une défaite en finale de Coupe de France 2-1 contre Bordeaux et une défaite 2-0 contre Paris. Dans la prochaine vidéo, on aura un match contre Nice, un match contre Monaco et pour finir, un match contre Lorient. C'est la fin de la vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Vous avez peut-être remarqué durant la vidéo, mais j'ai acheté un micro parce que l'ancien n'était pas génial et ça faisait une mauvaise qualité sonore. Donc j'espère que ça vous plaira. Merci d'avoir regardé la vidéo. Salut !